Salut à tous, on continue notre série sur YouTube, bien entendu, Zelda sur NES. J'ai toujours pas les commandes, c'est n'importe quoi, ce stream fait avec les pieds. Bref, alors, bah comment qu'on fait? Eh bah on est proche du niveau 9 déjà, alors... comment qu'on fait surtout? Alors on n'a pas beaucoup, on n'a pas grand chose, on a juste une potion bleue, ça va être la découverte du niveau 9. Je pense pas qu'on ira très très loin parce que en plus si je me trompe pas de réputation il est hyper labyrinthique et très très dur. Bon, c'était déjà un peu le cas du niveau 9 de la première quête, donc bon. Aïe! Bref, alors avançons. Ouais, donc faut faire le tour bien entendu pour aller dans la dernière partie de la montagne de la mort. Faisant le plein de cœur. Et donc, ah moi je suis un gros fan de Donkey Kong. Même si j'ai pas fait les Donkey Kong Country, je m'y suis mis tard en fait. C'est ça le problème. Et je les ferai peut-être un jour. On voyait pas le clin d'œil avec mes lunettes, mais c'est pas grave. Je les ferai peut-être un jour. Voilà. Ok. Surtout que... surtout que... Comment dire? Là, on se refait tous les Zelda. De la NES. À la Switch. On va passer forcément par Link to the Past. Et la Super NES, moi, je l'adore, cette console. Enfin, de toute façon, j'ai aimé quasiment toutes les consoles Nintendo. Parce que, bon, il y a un Zelda par console Nintendo. Donc, à partir de ce moment-là... voilà. Le choix est vite fait. Allez, allez. Oh, butter. Ça, c'est bien les Linels. Il m'a bouffé 4 cœurs. Petit batteur. Filez les cœurs. Rendez les cœurs aux abonnés. Alors, allons. Allons où? Non, là, c'est les rochers. On s'en fout. Ah mince. Ça me donne envie d'aller chercher d'autres cœurs ailleurs. Parce que bon, commencer le donjon qu'avec ça. C'est un peu la gitanie. Heureusement qu'on one-shot ces linelles rouges. Allez hop, on le commence, hein, c'est bon. Hein. On porte nos bols ou pas? Ok. Alors là maintenant, trois chemins. Dans le précédent, c'était deux. Bien sûr, des salles dans le noir. Des vers de terre complètement surexcités. Foncer dedans, ouais. Oh, j'aime pas ça. Oh, je vous déteste. Et des bonbons. Alors, testons tous les murs. Mais avec la baguette, avec la bombe. Voilà, évidemment. Il faut toujours tout tester. Ouh, c'est pas propre ça. Oh, c'est même très sale. Oh, ok. Ça commence les pièges sournois. Putain, mais si c'est ça dans ce donjon, ça va être vraiment casse-pied. Alors, je me souviens quelle forme il a. Il a la tronche de la... Enfin, il a la forme de la tronche de Ganon. Mais voilà. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Franchement, je devrais attaquer toute la gauche, et après on va faire tout le haut, et après on va faire toute la droite, parce que sinon... sinon on s'en sortira pas. Franchement, je ferais mieux d'avoir la baguette. Hein. Déjà, elle est claire. Ah, le meilleur plan, hein, c'est les gouffres, hein. Rien n'y fait. Voilà.
limite, l'échelle, c'est le meilleur item du jeu, quoi. Ok. Oh là là, mais je suis un peu bébête, hein. J'ose pas utiliser des bombes ici parce que ça paraît pas évident qu'il y ait des murs fragiles dans cette salle. Pour moi, c'est pas assez évident. Déjà, explorons avec toutes les portes à notre disposition. Et après, on cherchera les murs et les... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces bébêtes? Ah, c'est des chauves-souris. Je me demandais. Je les attaque avec ma bougie. T'aimes pas le feu, hein? Moi, j'adore. Attends. Poussons les blocs. Ah, ça va, c'est eux. Ah, ça brûle, hein. Attends, bah du coup, on va utiliser la baguette. Oh, c'est génial. On pense jamais... C'est génial, mais ça brûle le cul. Hein? Attends. Il y a des lasers qui arrivent de la... Du mur de la salle d'à côté. Sérieusement. Ah bah attends. On a 16 bombes, c'est pas pour rien. Je contredis à chaque fois ce que je dis précédemment, c'est une catastrophe. Le mec il dit non, on va pas... Oh, quelle salle dégueulasse. Le mec il dit non, on va pas utiliser nos bombes et les murs invisibles, et puis il fait exactement l'inverse. J'ai déjà été dans la salle. Ouais, on va pas... Ne cherchons pas le diable. Super. Génial, oui, ça n'apporte rien. Et là, on peut y aller. Bon, bon, moi, on va aller à droite, hein. Je vais être un peu casse-pied. En même temps, j'ai pas... Tout ça pour des rubis. Alors qu'on en a plus besoin. Remarque si, que dis-je? Au moment où j'aurai besoin de potions, ça sera le bienvenu. Évidemment, il fallait que ce truc réapparaisse. Oh, la baguette peut être vraiment très efficace quand elle s'y met. À leur propre magie, les petits salauds. Soyons patients avec les Wizrobes, ça sert à rien de les rusher, parce que c'est là où on perd le max de cœur, j'en ai plus que 4 en plus. Oh, c'est crade là. Je vais peut-être pas aller dans cette salle tout de suite. On va d'abord... Ah, je sais plus jouer. Ça y est. Je sais de nouveau jouer.
C'est dommage tout ça. Ça veut dire que visiblement, dans une des salles à côté, on devrait être capable de passer. Cette deuxième quête est dure, mais elle est aussi passionnante parce que du coup, les donjons sont hyper labyrinthiques et nécessitent qu'on se torture un peu l'esprit, quoi. Je me souviens pas de cette salle. Voilà. Non, j'ai pas été dans cette salle, on est d'accord? Il me semblait. Ah oui, alors là, c'est l'heure de la du petit bug. C'est l'heure du petit crash. Non, c'est celui-là. Ah ! Pas de bloc à pousser. Fantastique. Ok, alors. Cher baguette, crame c'est like. Like à attaquer à distance, bien entendu, hein. Parce que c'est hyper dangereux. Alors attends, on est où là? Ouais, forcément. J'aurais peut-être dû, dans la salle juste au-dessus, essayer de... des faux murs ou des murs fragiles, parce que... Bah oui, non mais c'est pas là. Oh, le voilà lui. Aïe, c'est tellement mal. Oula, j'ai pas eu le temps de me dessaisir de ce traquenard. C'est tellement horrible. Oh là là. Sérieux, ce labyrinthe. Alors, en effet, donc la réputation de ce donjon n'était pas usurpée. Il est horrible. Encore une salle comme ça, mais c'est pas vrai. Oh, c'est infernal. Comment tu sais où tu dois aller? C'est la cata. Je sais même pas où je suis là. Voilà, premier passage secret, on n'en avait pas eu jusqu'à maintenant. Pas aussi, il meurt. Direction. Ouh là là, ah, un jeu, ouh là. Oh.
Oh, c'est cradingue. Alors, du coup, attends. Je me suis retrouvé... Bah, ça pourrait être intéressant de... De refaire le même chemin, mais de faire un autre choix de... D'aller plutôt au nord qu'aller au sud. Parce que je m'étais... Voilà, donc, ici... De toute façon, il y avait le bouclier, ouais, je suis... Franchement, vu qu'on récupère des bombes de temps en temps, autant en poser une de temps en temps. Ça mange pas de pain. Bon, là, il n'y a pas le choix. Là non plus. 1, 2, 3, 4. D'accord, c'est en Z qu'il y a ces fameuses salles. Et là, je vais aller au nord plutôt qu'aller au sud. Plus qu'un demi-cœur. La mort me guette. Aïe aïe aïe. Ah, la sale piège. Alors du coup, bah... Ouais, mais ça va être... Ah, mais je suis bait. Il suffit de revenir en arrière. Plutôt que de subir le niveau. Alors attends. Analysons les possibilités. Si je redescends là... aller là. J'ai déjà été ou pas? Oui, j'ai déjà été. Ça va être un piège. Sérieusement? Oula. Alors là, j'y croyais pas. Et du coup, me voilà ici. Mais ça ne sert à rien. Attends, mais c'est impossible. Explique-moi comment j'atteins ce... Mais attends, mais c'est pas possible parce que... Ah non, non, là, là, je comprends pas. Quand tu rentres dans une salle et que tu pousses un bloc... Enfin, non, je veux dire... Quand t'as poussé un bloc et que tu sors de la salle, le bloc, il revient à sa position initiale. Donc, pourquoi avoir fait ça avec un escalier de l'autre côté? Il est inaccessible, cet escalier. Là, si je sors de la salle et que je re-rentre... Le bloc qui revient à sa place. Bah voilà. C'est débile. Tu peux pas pousser ce bloc et faire le tour pour prendre le. Pour prendre l'escalier. C'est incroyable quand même. Ou alors je passe à côté de quelque chose, mais oh, c'est l'enfer. Parce que si jamais je me fais toucher par. Bon. Foutu pour foutu. De toute façon, oui, après c'est le game over. Bon, oui, on s'en tape. Voilà. Hop. Posons des bombes. Donc ici, que dalle.
c'est ridicule. Cette salle est ridicule. Comment tu passes? Comment tu passes? Et ça veut dire que si tu arrives de la droite de la salle, tu peux pas pousser le bloc, donc tu peux pas faire venir l'escalier. C'est ridicule. À moins qu'il y ait un autre bloc... À moins qu'on puisse aussi pousser celui-là. Non, bah non, voilà. Il n'y a que celui-là que tu peux pousser. Alors là, je suis étonné. Ok. De toute façon, là, j'ai plus d'épée depuis un bail. Je suis con, c'était une salle normale. Il y avait un truc bleu ou pas? Oula. Bon, voyons le plan du donjon. C'est la merde, ça on sait. Mais comment on sort de là? Franchement, je vois pas. Pour l'instant, j'ai fait toutes les salles que je pouvais. Attends. Là, deux fois à gauche et en haut, j'ai pas été. Mais je vais me faire tuer par les vers de tir. Oh là là, cette manière efficace de me débarrasser d'un ennemi chiant. En plus, j'ai une fée. Ça pouvait continuer comme ça serait cool. Là, si je vais en haut, mais j'ai jamais été en plus. Je suis vraiment nul. Ah, j'ai plus d'épée, c'est vrai. Ah. Bah, eux, ça va être chiant à battre, alors. Attends, est-ce qu'on peut les avoir avec du feu? Ou est-ce qu'ils sont immunisés? Eh, mais j'ai plus d'épée, là, c'est la merde. Et eux, ils vont dans les portes. Les bleus, ils font ce qu'ils veulent. C'est la fête. Ah. Ah. Ils vont me tuer. Alors, attends. J'ai vraiment aucun moyen de les tuer à part éventuellement ça. Mais non, mais ils s'en foutent. Même les flèches. Ils sont immunisés aux flèches. Alors attends. Du coup. Ok. Ah oui, en haut les bombes. En haut. Ah non, mais lâchez-moi. Moi je veux juste poser une bombe alors. Ce n'est pas grave. Nous continuons. Encore une bonne demi-heure pour parcourir ce donjon. Alors, du coup, il va falloir acheter de la médecine. En plus, il y avait une vieille pas loin. Old woman. Ah, mais j'ai plus d'épée. Oh, c'est tellement naze. Mais je sais même pas où il y a une bulle bleue, moi. J'ai une idée. Dans la salle juste à gauche. Ça, c'est vraiment naze. Même quand t'as game over, tu retrouves pas ton épée, quoi. Voilà, là, il y a une bulle bleue. Voilà, parfait. Et on se barre par là, comme ça, on sort du donjon tout de suite. Hey. Et on
à retrouver notre épée. Comme ça, on peut faire face au Linel correctement, quoi. Et ne pas se faire... défoncer. Ah! Cette baguette, franchement, elle rocks, hein. Je sais pas vous, mais moi je la trouve géniale. Ah, ici, justement, c'était la lettre. Oui, c'est ça, c'était pour avoir la lettre. Donc c'est pas là qu'il y a la vieille pour la médecine. Elle est où, la médecine? Ah, ça doit être là. Oh, il commence à s'incruster, lui. Ouh là là, vous allez vous calmer. Je vous trouve un peu trop agressif. On n'est pas dans Breath of the Wild ici, hein. D'accord? Moi, je vous tue en deux coups, là. Comme ça. Alors là, c'est une boutique standard, je crois. Hein. Enfin, une boutique... boutique à bouclier abordable, on va dire. Et là, médecine. Enfin, j'espère. Non. Ah non, c'était de l'argent. Elle est où, la médecine? Ils sont bien, hein, ces lignelles. Ils filent des cœurs quand on en a besoin. Franchement, on peut compter sur eux, quoi. Ah, c'est peut-être là. Ah non, lui... Il m'a demandé de payer sa porte. Oh là là, mais quel nul. Deux cœurs gaspillés. Là, si je remonte, à quoi, là? Ok. Non. Non. C'est con, j'ai plein d'argent, là. Eh, madame la vieille, j'ai plein d'argent. Je peux vous filer plein d'argent, si vous voulez. Ah, ça doit être ici. Faites que ce soit ici. Non, je m'en fous. Je veux les médicaments. Ah, la cata. La cata. C'est la grosse cata. Je veux des médicaments pour me soigner chez Ganon. Alors... Je sais pas, moi, c'est trop compliqué. Mais s'il y en a pas. Je suis sûr qu'il y en a dans la montagne de l'amour. Après, on va au niveau 6, c'est pas du tout là qu'il faut caler. C'est juste pas possible. Oh, les one shot. C'est bon à savoir. Ça apporte rien de les battre à chaque fois, c'est nul. Au moins dans Link's Awakening, c'était l'assurance d'avoir des flèches. Ça c'était bien. C'était très très bien. Dans le cimetière, il y a de la potion? Je suis pas sûr. Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je tue pas les Linel? Ah, parce qu'ils sont tous les quatre de l'autre côté. Ils peuvent filer des cœurs. Ah. Ah, ils veulent vraiment pas spawner. Ok, bon. Petit bâtard. A mon avis, la RNG sur l'emplacement des ennemis doit être liée au temps. Parce que je le fais trop rapidement et. Ou alors à ma position, tout simplement. Ah oui, ça doit être à ma position. Si je viens de l'est, ils apparaissent à l'ouest. Si je viens du sud et par tous les chemins, ils viennent du nord. Voilà, c'est ça, c'est l'opposé.
Bah c'est con parce que voilà, il file quand même pas mal de trucs. Ouais, bon, eux ils filent rien. Ce sont des petits bâtards. Bon, alors, ça commence à m'énerver. J'étais sûr qu'il y avait une... Oh, voilà, un peu d'effet à ne plus savoir qu'on fout. Mais je pensais qu'il y avait une vieille pas loin, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons. Bon, allons par là. Ah, ça y est, je crois savoir. Alors. Ah oui, non mais ah oui, hein, c'est pénible. Ça y est, je me souviens où elle est. Ah, c'est pénible. Elle est là où il y avait le rocher du spectacle. Bah oui, évidemment. C'est limpide maintenant. Si on pouvait avoir 136 rubis, ça serait bien parce que ça veut dire qu'on pourra revenir plus tard pour avoir une deuxième potion rouge en cas de nécessité absolue. Ce qui deviendra le cas dans ce donjon 9. Dans cet ultime donjon. Et oui, madame, t'étais ici. Bah, c'était compliqué hein, pour vous trouver. Hein. Franchement, vous pourriez préparer vos médicaments plus proche du boss final du jeu. Ça tomberait sous le sens. Si vous voulez vraiment m'aider, vous dites oui, le héros, il faut qu'il nous sauve. Mais vous y mettez pas du vôtre, hein, franchement. Hein. Parce que là, vous voyez, je suis obligé de faire tout le tour pour aller vous chercher là. Et en plus, je vous paye. Alors que normalement, pour sauver votre peau de vieille peau, justement, eh ben. Vous devriez faire des sacrifices quand même. Pas me faire payer en étant à l'autre bout du monde. Mais dans un jeu vidéo quand même. Bon. Alors. On est plutôt bien. On glane des rubis au passage. Comme ça. Prochaine. Oui, des bombes. Oui. Comme ça, prochaine potion, on aura la thune suffisante. Oui des bombes, on refait notre stock, c'est magnifique. Ben, je vous le dis, mais déjà l'épisode précédent, c'était super bien passé, j'en bafouille. Avec ce niveau 8, vraiment très agréable à faire. Quoique un peu simple, il faut le reconnaître. Beaucoup de dodongos, mais qui servent à rien. Et puis là, on a un donjon 9 bon, qui est rotor, mais voilà, pour l'instant, il nous a posé moins de problèmes que le niveau 9 de la première quête. Espérons que ça continue. Enfin, on va voir. Bon. Alors, maintenant. Le problème, c'est que tous les ennemis sont revenus. À part, bien sûr, le patras. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je retente la salle en y mettant une bombe? Ou est-ce que je revais tout à... droite? Ça m'apportera rien de battre tous les Wizrob à droite. Rien du tout. Rien du tout. Rien de bon, j'en suis sûr, madame. Ici, on est à gauche. Oh là là, et c'est un délice de battre ces deux ploucs avec cette baguette. Et là, du coup, je suis ici. En haut, ça m'aidera pas parce que je serai bloqué dans la salle de cran en haut par la lave, donc ça sert à rien d'aller. Par contre, ici, pénible ces statues, vraiment pénible. Ah ça y est, il n'y a plus d'épée. Ah bah ça y est, ah bravo hein. Mais laissez-moi tranquille. Oh,
putain, il m'a pourchassé. Petit bâtard. Super, rien du tout. Poussons des blocs. On adore pousser les blocs ici. Donc là, moi, je voulais poser une bombe ici. J'ai pas pu parce que j'étais embêté par les wizards bleus. Alors que c'était évident qu'il y en avait une. Ça nous avance à rien, c'est magnifique. Bon, que fais-je? Est-ce que... Bah, je vais essayer la salle... un peu à gauche, là. Aïe, 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 ça fait mal. Eux, ils filent rien. Oui, c'était un rubis, c'était nul. Ah, la baguette, c'est beaucoup mieux que le boomerang pour eux, hein. Au moins, ils se crament tout seuls comme des imbéciles sur le feu. Non, c'est forcément le bloc le plus à gauche. Ah oui, mais ça sert à rien ici à chaque fois. À chaque fois ici, on se fait avoir. Si ici on pouvait... Magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, j'ai été ici. Maintenant ça va vous permettre d'aller en haut. Ah non, là je me fais trancher pour rien. On va se calmer. Oh là là, magnifique. Partons. Le donjon de l'enfer. Attends. Là, le donjon, il a la tronche de Ganon. Il a la forme de la tronche de Ganon. Ganon. Normalement, là, on voit deux yeux, en fait. Ça doit être des salles. Parce que je vois... Enfin, dans mes souvenirs, la map que j'avais dans mon guide officiel, il n'y avait pas de trou. Oh là là, je fonce dedans comme un idiot que je suis. Filez des bombes. Des cœurs aussi accessoirement, mais vous êtes radin, on le sait. Non mais là, j'avais déjà essayé. Et oui, mais... Gaspillage de bombes honteux. C'est honteux. Ah, je me souvenais pas avoir battu tous les monstres ici, mais ok. Attends. Allumons la lumière. Ah! Je me mets dedans comme un idiot. Super. Inutile. Bon, continuons ce qu'on faisait, mais... Enfin, je teste des trucs. Oh! Plus que 4 cœurs déjà, tellement je fais l'idiot. Ah, on commence à mal jouer, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Thank you.
Attends, un truc curieux. Bah oui, il y a une porte, donc il y a bien une salle dans l'œil. Ça c'était évident. Je me suis fait violemment. Et j'ai plus d'épée. Ah si, oh, je l'avais encore. Oh le coup. Je l'avais encore. Ah. On va pas s'embarrasser des battes pour l'instant. Oui. La boussole. Donc la boussole était dans les yeux de Gagnon. Oh là là, ça sent le piège si je vais là. Bah oui, c'est évidemment un piège. Donc faut pas y aller. Faut aller nulle part en fait. Est-ce que je les bats eux? Oui. Aïe. Purée, mais je m'en prends plein la trunch. Le bleu, viens me faire un câlin. Voilà, merci. La clé qui sert à rien puisqu'on a la clé magique. Super. Alors, c'est un piège, it's a trap d'aller à droite. Puisqu'on atterrit dans une salle où la porte est bloquée en haut et la porte est bloquée à gauche. Ça sert à rien d'y aller. Est-ce que je mets une bombe au-dessus? Ça serait beaucoup plus logique en fait. Voilà. Sauf que j'aimerais bien qu'on me rende mon épée, merci beaucoup. Oh oh oh, bien sûr, allez, au revoir. Ok, réfléchissons. On est là. Je pense qu'il faut aller ni en bas ni à droite. Parce que ce sont encore des pièges. Alors, go to the next room. Si je vais à droite, c'est le piège aussi. Donc on va aller à gauche. La baguette c'était bien hein, pour les like. Et tu vas mourir, oui. Ok, rien du tout. Alors attendez. Non, on va pas aller en bas, surtout pas. Est-ce que je vais... Oui. Oh là là, c'est dur à cibler ce truc. J'ai refait le cercle, c'est plus simple à viser.
Alors, je suis où là? C'est pas là. Je suis dans l'oreille. Est-ce que je prends ce truc? Au cas où c'est le trésor, oui, j'y vais. Non, c'est un passage secret, donc on verra après. Ok, c'est bon, j'ai déjà la baguette. Oh la baguette, c'est vraiment le truc le plus efficace contre eux. Hein. C'est un truc de fou. Très fier de cette baguette. Yes! Yes! Là, ça va devenir intéressant. Parce que là, enfin, on est un peu plus protégé. Oh, ça fait du bien d'avoir cette baguette rouge. Cette bague rouge, pardon. L'anneau rouge. La chevalière rouge. Ok. Donc maintenant, pouvons-nous aller au sud? La question se pose. Légitimement. Non, pas depuis cette salle. Ok, et donc là j'aurais un. Ah, mais on pouvait y aller! C'est de l'arnaque! Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une bombe ou pas? J'ai oublié. Zout! Ou alors c'est un souterrain qui amène à la salle tout à gauche. Bon, allez. Peu importe. Allons-y. Non mais... Mais il pose des bombes, il gâche ses bombes, c'est n'importe quoi. Ok. Ah, c'est la fameuse salle. La fameuse salle idiote. Oh là. Ah. Oui, alors voilà. Là, on est dans l'idiotie la plus totale. Sérieusement? Je ne vois que ça. Oui, voilà. Parce que c'est le bloc qui est de l'autre côté de la salle qu'on peut pousser. C'est ridicule. Ouh! Ah, je voulais m'éloigner, mais pas réussi. Alors, on est où, là? Essayons ici, d'abord. Déjà? Ah, mais j'ai... Merde! J'ai absolument pas ce qu'il faut pour le battre. Oh, je savais pas que c'était ça le. Ah, on va se laisser mourir. Hein. On est désolé, mais. Ah merde, j'avais pas. Parce que là, je peux pas, j'ai pas la flèche d'argent. C'est con. Eh oui. Je savais pas que c'était Ganon. Il me faut la flèche d'argent. Donc dans l'oreille gauche, il y avait l'anneau rouge. Dans l'oreille droite, le Ganon. Ouf. Alors, du coup, comment on fait? On n'a pas été dans l'œil droit de Ganon. Hein. C'est peut-être là où il y a la baguette. La flèche d'argent. Ou alors, elle est dans l'oreille droite, mais dans l'autre salle. C'est possible aussi. Hein. Tout est possible. En même temps, il y a des salles que j'ai pas encore faites. Là, si je vais à droite puis en haut deux fois, est-ce que ça marche? C'est la grande question. Oh, je me fais déjà marave. Mais prenez pas mon échelle, c'est mon échelle. Ah, déjà. Déjà. Thank you.
Les mecs, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils se téléportent, c'est moche. Bon, on va où là maintenant? Parce que. Ok, donc je connais le chemin pour aller vers Ganon. Est-ce que du coup je pouvais aller ailleurs? Franchement, ça se tente, hein, parce que toute la partie droite, on l'a pas faite. Tentons le coup. Ça se tente. Putain, je me fais marrer par le jaune là. Meurs. Déjà plus qu'un cœur. I want. Ah non, mais je peux pas. Allez, forcément. Je peux pas aller tout en haut. Est-ce que. Ah non, j'avais déjà essayé d'aller en bas. J'avais essayé d'aller à. D'aller à droite et ça n'apportait rien. Je retente, je retente. Je ne suis pas satisfait encore de ma progression dans ce donjon. Non, je vais pas tarder à mourir. Moi, je crois qu'il faut. Mais oui, mais évidemment. Évidemment qu'il fallait être dans cette salle. C'était encore un trap. Pas vrai. Ce donjon est infernal. On peut aller nulle part. C'est casse-pied. C'est casse-pied. Please, please, un mur. Oui. Parce que là, je voyais plus comment progresser. Encore lui. Toujours là. Bah, c'est bien. C'est pratique pour éviter les tirs. Que ça rame. Allez, c'est bon. On y est presque là. Putain, j'ai l'épée magique. La carte. Ok. Bon, ça nous avance pas à grand chose, mais bon, au moins. Alors attends, parce que là, moi, je refuse d'admettre. Voilà, il y a forcément des murs à exploser et des faux murs, parce que c'est incompréhensible sinon. Ah, the baguette magique. Of the flames. To burn these cakes. Oh, quel enfer. Oh, il pose des bombes. Complètement inutilement. C'est une catastrophe. Ce qui est bien. Il me voit quand même. Petit salaud. Aïe. Ça fait mal. Ah, plus d'épée. Rends-moi mon épée.
quoi cet endroit? C'est un passage secret. Je rappelle qu'on n'a toujours pas été dans l'œil de Ganon. Ah, je suis là! Ah oui, mais forcément, du coup, on peut pas avoir Zelda qui est juste à droite. Attends, comment on fait du coup pour se barrer? C'est juste un endroit pour récupérer son épée? Mais c'est ridicule. Ah oui, c'est complètement ridicule, puisque... Ouais, ce passage secret n'a aucun sens. C'est un cul-de-sac. Parce que voilà, il y a déjà une bulle bleue ici, donc ça n'a pas de sens de mettre un cul-de-sac avec des bulles bleues plus loin. Sens unique. Ah oui, mais j'ai pas été en haut. Ah oui, évidemment. Les bombes que j'ai gâchées, honteusement. Non, on peut pas pousser. Faut pas pousser, mémé. Bah, ni en haut ni à droite, hein. Oh, encore du sens unique. Merveilleux. Et donc, nous revoilà ici. Bon, bah. Ah oui. Soyons intelligents. Non mais me touche pas toi. Personne t'a convoqué. Oh, c'est crade. J'ai plus d'épée là, c'est nul. Faudra que je retrouve une bulle bleue. Et là je suis téléporté par quoi? Non mais en fait j'avais déjà été ici. Ça devient compliqué. Oh, vous êtes si nombreux. Oui, donc en fait... Le passage qui a tout à gauche permet d'aller tout à droite. Ou c'est compliqué. Ah c'est con, moi je voulais vraiment accéder à l'œil droit, mais j'ai l'impression que c'est un passage secret qui va nous y emmener et c'est un vrai problème, parce qu'il reste plus que deux salles en fait à visiter. Ça sert à rien d'aller ici, ça sert à rien du tout. Si on va tout à gauche, y'a quoi? Y'a rien. Mince alors. Ah, il me semblait qu'on pouvait. Ouais, mais je suis mal dirigé en fait, tout simplement. Oh, il se crame les fesses! C'était presque logique qu'on aille ici. Attends. Il y a un truc qui va pas. Parce que normalement. Il mène où ce passage? Parce que j'en viens, je me souviens. Aïe! Ça sert à rien. Aïe. C'est bien, j'ai retrouvé mon épée. Bon.
sert à rien que je monte. Il faut que j'aille à gauche. Et il faut que j'aille à gauche. J'ai plus d'épée. Ah merde, je me suis pas fait toucher par le bon bulle. Aïe. C'est mal, ça pique. J'étais tellement tout content, moi, avec ma baguette de feu que... Voilà. Justice est rendue. On a retrouvé notre épée, en plus, qui balance des rayons. C'est fou quand même, parce que ces donjons, aussi durs soient-ils, ont fini par s'y retrouver. Alors voilà. Je pense qu'il faut se les faire. En mode, je vous marave la tronche. Seul. Non, ils font même pas apparaître de passage secret, les bâtards. Ouais, donc c'est une salle où il faut absolument pas se prendre la tête, quoi. Ah, je suis deg. Donc là, c'est encore bourré de pièges. Oui, j'étais pas sûr que ça ouvrait la porte pour moi. Je vois ce genre de porte, je me dis ça y est, c'est mort, on peut jamais aller dans le bon sens. Mais en fait, si, voilà. Il suffit d'y croire. Croire en ses rêves, hein, bien entendu, tout le temps. Tout le temps croire en ses rêves. Là, dis-moi que ça donne accès. Quoi ? Mais ça donne accès à rien ! Qu'est-ce que c'est que ces salles ? Oh, mais c'est infernal! Bon, bah, il faut trouver la saleté de salle où il y a des ennemis qui font apparaître un passage, parce que là, je ne vois pas, là. Ah, c'est la cata, quand même. Cette salle sert à rien, quoi. Un rubis, quoi. Un fucking rubis sert à rien. Oh là là, la déception. Bon, ça c'était pour l'anneau rouge. Et c'est tout, quoi. Parce que sans la flèche d'argent, ça va être compliqué, hein. Réfléchissons. Ça m'avancera à rien d'aller... Bah, j'ai essayé de toute façon déjà de poser des bombes à droite, à gauche, en haut, en bas, à droite.
parcours le donjon, hein. J'ai pas le choix et que je tue tous les ennemis, toutes les salles. Hein. C'est encore une histoire de bloc que j'ai oublié de pousser, quoi. Aussi bêtement que ça. Bon, mais de toute façon, faut aller là. Puis là, après, ben, c'est Ganon. Ben non, c'était donc pas un cul-de-sac, c'est pour échapper à Ganon. Parce que sinon, en effet, on est coincé, c'est ben, un peu bête. Moi, j'aime bien dire Ganon. Ah c'est bon, j'avais pas perdu mon épée. Voilà, donc on est là. Purée. Hyper mal placé. C'est pas grave. Donc, tout simplement, mais tout simplement, je galère. Je galère un petit peu. On va y arriver. Voilà, la flèche d'argent. On y est presque, on y est presque. On a presque fini le jeu. Allez, 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 un petit effort. Un petit effort. Oh là là, un petit effort et je me fais marave par la première chauve-souris venue. C'est pas sérieux. Alors, du coup, maintenant, on fait quoi? On va en haut? Oui, on peut. C'est à sens unique, mais on peut. Mais ça nous avance à rien. Ah ouais, grave à rien, ouais, même. Du coup, on fait quoi? Attends. Parce que je peux pas aller à droite. Là, je vais pas en haut, ça sert à rien. Bah merde, parce qu'une fois que t'as la flèche d'argent, bah tu sais plus où tu vas, hein. C'est... Bah c'est pas mal là où je vais en fait, parce que je crois que c'est le seul chemin. Oh là là. C'est un peu long, mais vous inquiétez pas, on est sur la bonne voie. On est revenu au début du donjon. On est sur la bonne voie, vous inquiétez pas. Allez, filez des cœurs. Filez des cœurs. Oui, il a fait. Mais sérieux? Cette maudite chauve-souris, elle me pique comme ça tout de suite, quoi. Le chemin est long vers Ganon. Ah oui, alors là, c'est la blague, ils servent à rien. Et là, on va en haut.
là on va à gauche. Tiens-toi bien, Ganon. Aïe. Allez, on y est presque. On y croit. On y croit à mort. Allez, là on prépare The Flèche d'Argent pour lui asséner le coup de grâce. Merde, mais je lui fonce dedans comme un idiot que je suis. Aïe, ah, il fait mal. Ah, le salaud. Mais j'étais dessus, j'étais sur lui. Vas-y. Il est mort. Ah ça y est. Ah ça y est. Zelda. Et voilà, finally, finalement la paix revient à Hyrule. Ceci termine notre histoire. Ah voilà, ça y est, c'est la fin. C'est la première fois de ma vie que je finis ce jeu. Oh là là. On a fait un jeu sur 18. Putain, 58 game over. Pas si mal, c'est pas si mal. Ah, le jeu était bien prévu pour faire deux quêtes. Hein. Y a pas à dire. Bah ça y est, c'est la fin, voilà. 58 game over. On peut recommencer autant de fois qu'on veut la deuxième quête, c'est fantastique. Mais on va pas se donner cette peine. Voilà, un jeu qui est quand même vachement cool. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais galéré en famille. Je l'ai eu, je devais peut-être avoir 10 ou 11 ans, mais assez tardivement. Et du coup, j'ai passé des week-ends dessus, mais voilà, pas été plus loin que ce niveau 4 de deuxième quête. J'ai pris ma revanche sur ce jeu, enfin. Et la suite de notre marathon Zelda, il sera très dangereux d'y aller seul, donc il ferait mieux de prendre cette épée. La bise, et à bientôt sur Triforce TV Live.